Voilà. Would you say something on this occasion? Your Majesty, would you like to say something on this occasion? Just a short comment, your Majesty? Just how do you feel in this moment, Your Majesty? In English or French? English, I will translate it. English or French? En français est possible. Oui, en fait, c'est un très, très grand jour parce que se passe tout un travail depuis 108 ans. Et finalement, c'est la consécration des 108 années de commémoration. Dans les conséquences, ont eu importantes. Aujourd'hui, tel un tsunami conserve un certain nombre d'implications. Donc, cette reconnaissance, cette allocation de ce qui est en train de se faire actuellement est extraordinairement importante. Tous ceux qui sont solidaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Is this a symbol of resistance, the new name? Is it a symbol of resistance against colonialism and against racism? Oui, bien sûr, c'est un énorme symbole de résistance à l'encontre du colonialisme, de toutes les formes de colonialisme. Et effectivement, il est important que nous puissions savoir, en vérité, le travail qui est fait à un moment déterminé paye et apporte un certain nombre de conséquences et de résultats réalisés. Et ça vaut pour Rodolphe de la Mangabelle, mais en fait, il est dans cette image symbolique de l'ensemble de tous les résistants du Cameroun de cette époque, de la même époque, mais aussi l'ensemble des résistants du Cameroun en général, de l'Afrique. Merci beaucoup. Vous pouvez avancer de 3 mètres de ce côté-là pour faire une photo avec la PAC. Pour que ce soit plus joli. Au départ de l'intéressance d'une situation qui a été déplorable en ce sens. Et donc c'est l'ouverture de chemin un embryon et qui va naturellement, tel un embryon, aller jusqu'à. Qu'est-ce qui se passe en fait qu'un embryon et les civils sont là. Nous sommes tous là en conséquence de l'embryon que nous suivons à chacun de notre niveau. Donc je vis la même évolution que celle de votre présence. C'est un message d'espoir pour un nouveau départ entre les relations germano-camerounaises, à votre avis? Vous savez que. Naturellement, vous savez que le mot Cameroun, c'est vrai qu'il a été influencé par les Portugais. Mais le mot Cameroun, en réalité, c'est les Allemands qui l'ont créé. Donc ça veut dire que l'essence même de cette réalité montre effectivement la reconnaissance de tout un parcours particulier qui a été chaotique et que finalement l'amnésie
a eu tendance à mésestimer. Donc ce qui se produit aujourd'hui, inévitablement, c'est la réouverture de quelque chose qui aurait peut-être probablement, j'avais dit, c'était dans des situations funestes, comme j'ai dit. Donc c'est bien sûr un témoignage d'espoir. Je vous suggère de continuer avec la princesse, ma sœur, parce qu'elle a beaucoup de choses à exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.